genre très très fière d'elle. Genre franchement, elle m'a impressionné et tout, et j'étais trop content de voir cette face-là. Cette facette-là, je ne les ai pas vues. Moi, oui. Bastos. Un mot pour Bastos, moi je vais dire frère. Découverte. Découverte parce que je le découvre de jour en jour et que maintenant je peux le considérer comme mon ami. Voilà. Grave de ouf. Bah, moi parce que je le connais depuis un petit moment et on a cette relation très fraternelle, donc c'est logique, c'est le frérot. Ouais, t'as raison. Alors Cassandra, mi-figue, mi-raisin. Ça fait beaucoup de mots. Moi je vais dire curieux parce que je la connais pas plus que ça et je ne demande qu'à en savoir plus. Moi compliqué. Compliqué. Compliqué parce que elle est compliquée à cerner. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Bon, c'est souvent chaud, mais quand c'est froid, c'est relou. Ça peut être froid aussi. Mi-figue, mi-raisin, quoi. En somme. Finalement. Mélanie. Je vais dire blessée, hein. Parce que ça se voit que... Enfin, moi, je trouve qu'il faudrait que ça apaise un petit peu... Je veux dire, qu'elle apaise son cœur. Deux mots, hein, sans retour. Bastien, il n'y a plus de... Il n'y a pas de marche arrière, là. C'est fini. Et je pense que... Ouais. Je pense là, ça va être chaud. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus rien qui marche. Fini. Fini, ça serait un très bon mot, d'ailleurs. Ah, fini, ouais. Fini. Ah, on part sur fini. On part sur fini. Louana, je vais... Moi, magnifique. Allez. Ouais, parce qu'en vrai, elle est vraiment magnifique. Ouais, moi je vais dire fière. Genre très très fière d'elle. Genre franchement, elle m'a impressionné et tout, et j'étais trop content de voir cette face-là. Cette facette-là, je ne les ai pas vues. Moi, oui. Mais Louana, trop forte. Ouais, trop forte. Trop content. Oh, Tata Fredo. Maman. Maman, parce que Tata Fredo, elle a pris soin de moi et je sais qu'elle m'aime beaucoup et c'est réciproque. Ouais, bah moi je vais pas trop parler non plus, mais en tout cas t'as dit quoi toi, maman? Attends, j'aurais dit pareil, bah, je peux dire maman aussi, ouais. Belle-mère. Elle a ce côté, belle-mère. Belle-mère, pardon. Belle-mère. Une tante. Tante, ouais. Une tante. Tante. Une tante assez éloignée que... Tante Fredo. Tante Fredo. Elle est agréable. Oui. Elle est trop gentille. Très drôle aussi. Hein. Ouais. Très très drôle. Sarwell, hein. Direct, hein, à chaud. Sarwell. Moi, vraiment, ça m'a marqué. Ouais, ouais, Aladdin. Aladdin. Voilà, Aladdin, parce que Fabrice, il est atypique. Il y a rien qui va, mais ça lui va. Exactement. Ouais. C'est un personnage, c'est son monde, c'est ça. Ah ouais, ouais. Bon, il est pas emmerdé, quoi, par la vie. Ah non. Et la vie le lui rend bien. Attachant. Ouais, bah ça, c'est ce qui lui correspond attachant, le plus. Ouais. Attachant. Vraiment, il y a. Et vraiment, je prononce bien le chiant. C'est attachant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et attachante. Pour le coup. Oh, tu t'emmerdes pas. Bah, Beverly, moi, c'est. Atypique. Moi, je vais dire solaire. Ouais. Cagole. Ça... Ouais. Cagole, sinon. Cagole mini. Ouais, elle est. C'est un nouveau mot. Ouais, moi j'ai solaire parce que franchement c'est un petit soleil quoi. Elle est rigolote, elle a tout le temps de l'énergie, pétille. Elle est incroyable cette fille. Un bon bébé. Premier degré de ouf ce mec en plus. Greg, c'est pas compliqué, il prend. Il est très, très bon mec, hein. Moi j'ai été en confinement avec lui. Bon, moi je vais te dire Tarzan. Hein. Tarzan, ouais. Greg, c'est Tarzan. Hein. Ouais, ou feu. Parce qu'il le feu tout le temps. Voilà, feu, Greg. Greg, c'est. Peut-être, je pense, un des gars qui était le plus à l'aise sur l'île. Je pense. Il était à l'aise de ouf. Ouais. Oh, yaya, Marjo. Balek, moi. Balek ouais. Non, moi, Marjo... Non, en vrai, j'ai pas trop discuté avec Marjo. Moi, m'a envoyé un message il y a pas longtemps, Marjo. Hein? Ouais. Mais pourquoi? La première fois que je te le fasse faire, c'était lunaire. Et t'es en mode, oui, alors t'as dit ça. Bon, ben on va confirmer Balek. Ouais, Balek moi. Ouais. Mais en vrai, moi, au fond, genre... pas méchante, hein. En fait, elle est premier degré. Elle est un peu comme Greg, elle est très premier degré. Et elle a trop mal pris la diffusion. Genre, ouais, elle est encore dedans. Donc je vais lui dire, chill. Mais pour qu'elle chill. Ouais. Parce qu'elle n'est pas chill, mais il faut qu'elle chill. Moi, je vais dire poule.
Pourquoi? Parce qu'on a chassé une poule dans les épisodes. Un extrait tout de suite, c'est faux, je m'emballe. Et franchement, très très drôle. Ouais, non, franchement, c'était hilarant. Moi, je dirais muscu parce qu'il était vraiment gaulé. Ah oui, il est vraiment gaulé et c'est naturel. Ah oui, oui. J'ai fait des séances de sport avec lui, c'est naturel. Mais il est gaulé. Après, il a les jambes de criquet, mais il est gaulé. Il est costaud. Il n'y a rien avec Benoît. Ah, mais j'ai l'impression que tu veux faire passer un message. Non, non, non. Vas-y, on te laisse. J'adore, Benoît. Musique romantique au montage et. Ah, bah, t'as zoté. J'entends. Je vais dire. Avion. Oh, le bof. Vraiment. Elle est très très belle. Hein. Ouais, c'est. Purée. Des yeux de fou et tout. J'allais dire naturel, mais pas du tout. Non, mais ouais, c'est. Bah, elle est magnifique aussi, hein. C'est une belle femme. C'est une belle femme, ouais. Pareil aussi, good vibe à elle et Benoît, c'était la good vibe assurée sur l'île tout allez, le temps. Allez, je pars sur avion aussi. Hein. Héloïse, bah... D'accord. Et pour Naka, du coup, on va dire Héloïse. Non, Héloïse, je pense qu'elle a... C'était dur pour elle. Donc, ouais, moi j'aurais dit discrète, on l'a pas spécialement... Capricieuse. Capricieuse, ah, parce que je sais qu'elle a filmé... Elle a fait beaucoup, deux, trois crises à Antonaka durant le tournage. Ok, non, je, ouais. Moi je l'ai mais pas, je vais pas trop parler tout, je vais dire j'aime bien, discrète. Oui. Mais elle est gentille, hein. Ouais, j'aime bien. Après, je sais pas trop quoi dire sur elle aussi. Oh, je vais dire tapis. Suivez bien les épisodes, les gars, suivez bien les épisodes, parce que l'histoire du tapis, ça a fait, c'est quelque chose. Hein. Et ça nous a causé une immense embrouille. À cause de ça, mais Naka, on s'est revu après. Moi, je vais dire pote. Il est très gentil. Je vais dire pote parce que c'est mon pote en dehors de la télé aussi, Antonin Kadan, donc pote. Ouais, il est très gentil. C'est un bon mec, j'aime bien. Clarisse, crush pour moi parce que je m'en suis pas caché, elle me plaisait. Elle me plaisait dur à l'aventure et même un peu après, donc crush. Ok, et moi tout simplement Clarisse, je vais dire binôme, enfin alliance plutôt. Je vais me faire défoncer par Ludivine. Non, alliance et découverte de dingue. Je la connaissais, on se connaissait pas du tout et franchement, c'est hilarante et tout. Et on est très potes aujourd'hui. Alors on va pas être d'accord. Parce que toi tu l'aimes pas trop Alex. Ouais, ce gag moi. Ah oui, oula. Non, mais moi je me suis pas entendu avec lui. Avec Alex, je ne me suis pas entendu avec lui dans l'aventure. On n'a pas reparlé à l'extérieur. Mais je doute pas que ça soit un bon mec à l'extérieur, mais j'ai pas un bon souvenir de lui. Bah moi, du coup, je l'ai adoré. Vraiment, il est très drôle, il est très gentil. Genre, si vraiment t'es son ami, tu sais que c'est un gars, tu peux compter sur lui à 100%. Vraiment, il donne tout. Ça, par contre, j'en doute pas. Ouais, moi, ça n'a pas matché niveau... Et du coup, je vais dire père. Ah ouais ? Il dit tout le temps père. Père. Au père. Au père, ouais, c'est vrai. Il dit tout le temps ça, donc c'est son mot. Donc c'est père. Père Alex. Ami. Ah, ami. C'est dur. Ami comme ça, moi. Et moi, je serai là pour toi tout le temps. Et je sais que lui, vers ça, ce sera pour moi aussi. Bah, moi, Ludivine, je vais dire... Ambigu. Bon, c'est une dinguerie, ça. Ambigu. Ambigu. Je sais vraiment pas. T'as pas le... Bah si. Ambigu. Ouais. Bah. Ça marche en soi. Bah, c'est très corporate. Je vais dire... Ambigu. Moi je vais. Ouais, ambigu. J'ai tellement pas d'inspi. Non mais ouais, oui, ambigu. Ambigu parce que c'est vrai que. Mais bonne entente. Ambigu, mais bonne entente. Ludivine, on sait pas sur quel pied danser. On sait pas. Toi comme elle. Hein. Ah ouais, non, Ludivine, c'est il n'y a rien qui sort tellement c'est une relation qui est. Ambigu. Particulière. Ambigu, voilà. Ambigu, c'est bon, ambigu. On part sur ambigu. 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 Allez. Pour moi, je vais dire. Ken. Barbie et Ken, et non pas Ken, on s'est compris. Ken, parce que bah, c'est le mec, il est physiquement parfait, intérieurement, avec quelques petits défauts. C'est un kiffer. C'est un kiffer. Esthétique, ouais. Ouais, c'est un beau mec. Voilà, beau mec. Mais le problème, c'est qu'il le sait. J'ai pas grand chose à dire, mais beau mec. C'est une dingue. J'ai pas grand chose à dire. Beau gars. 07, 89, ça va. Non. Tapez beau gars. Tapez beau gosse, tapez Joe. Sentis. Moi j'aime bien Joe. Mais moi j'ai, on s'entend bien. Hein. Il va peut-être se revoir. Non, non, on s'entend bien avec Giovanni. Mais y a rien qui ne va pas entre nous. Mais beau mec, quoi. C'est un beau mec et voilà. C'est un peu plus loin. Ouais, allez.
Beau mec. Cordial. Voilà, cordial. Oh, cordial. Ah, cordial, c'est très bien. Très, très bien, ça. Très bien. Bravo. Sur le pouce. Mmh, voilà.